Voici une histoire qu'on ne vous a jamais racontée. Une histoire que personne ne connaît. Elle s'est déroulée il n'y a pas si longtemps. À une époque où Noël a été un jour de chien. 9 chiens, pour être précis. Ce fut le Noël des 9 chiens. Tout a commencé avec 2 chiens. Les chiens errants les plus malheureux, les plus malchanceux qu'on puisse imaginer. Mais quelque chose allait bouleverser leur vie. Tu pourrais pas faire un peu plus vite? Je ne peux pas faire plus vite que ça. Moi, j'en ai assez de ces vacances. La dinde de Noël, la farce de Noël. Pour moi, c'est travail, travail. Bon, rien, au secours, police. Vous osez vous attaquer à moi? Vous avez besoin d'une correction. Quoi? Ce ne sont que deux petits cabots. Vous croyez que je tiens un café pour chien ou quoi? Oh, attends-moi, j'arrive. On a intérêt à disparaître. Hein? Attendez que je vous mette la main dessus. Je peux vous dire que vous allez le regretter. Et joyeux Noël à vous aussi. Ah, cette fois, c'est pas passé loin. Hein? Ah, est-ce que je ne t'ai pas toujours sorti de toutes les situations? Elle est pas belle la vie, hein? T'as vu? C'est ce qu'on appelle une maison, cet endroit sympa. 2 repas par jour, c'est géant, non? Attention à ne pas souhaiter n'importe quoi. On a affaire aux humains et à leurs petits, c'est-à-dire les enfants, des petits singes des moquettes qui te grimpent dessus quand tu dors. J'en ai vu tout un essaim qui s'agrippait encore plus que des puces. Tu devrais être heureux avec ce que tu as. Je suis super heureux avec ce que j'ai, je t'assure. Attention, je ne bougonne pas, hein. C'est mon estomac qui gargouille. On n'a peut-être pas de maison, mais on a notre liberté. Voilà, c'est maintenant, c'est là que tout a changé. C'est là que commence notre véritable histoire. Et où on est, là, Chasse-Neige? On est ensemble, vieux. Voilà où on est. Ensemble? C'est génial. Mais cet endroit me donne la chair de poule. Mais non, mais ne t'inquiète pas. Oh, appelle-moi quand tu seras fini. D'accord. Allez, avancez, montrez-vous. Amigos, bienvenue au grand cirque de Pierre Laronde. Hein? Quoi? Moi, je vais partir de là tout de suite. Vous pouvez venir avec nous si vous voulez. Quoi? Et quitter le monde du spectacle? Oh, bah... Eh, c'est pas si mal une fois qu'on y est habitué. On a droit à 2 repas complets par jour. En tout cas, 1 par semaine. Ouais, les copains, c'est la belle vie. Et maintenant, en route pour la gloire. Et c'est ainsi que les 2 chiens sont devenus 8. Non, ma chérie. Allez, viens. J'aimerais bien que le Père Noël m'en apporte un. Tu crois qu'il voudra bien? Tu crois que je peux lui demander? Oh, je suppose que oui, ma chérie. Après tout, c'est Noël, non? Dépêchons, secouez-vous, secouez-vous! On a moins de 48 heures pour charger ce traîneau! Oh, j'allais oublier. Il y a une autre partie à notre histoire. Une partie très importante. Et elle commence là. L'homme en rouge est toujours parti à l'heure depuis des siècles. Et tant que je serai responsable, il n'est pas question que ça change. Pas de problème, on va faire ce qu'il faut. Alors secouez-vous, secouez-vous, secouez-vous.
où tout le monde se prépare, car c'est bientôt le réveillon. Tout au nord du pôle, tous les gens travaillent pour le Mont Rouge et c'est bon. Bientôt c'est Noël et il va autour du monde. Là où il y a tout plein d'enfants qu'il comblera. Tout au nord du pôle, tout au nord du pôle, même si t'es fatigué, tu travailles pour le réveillon. Tout au nord du pôle, le temps ne compte pas. Ça va les gars, dépêchez-vous, c'est long. Il faut vérifier, tout tester, surtout qu'il ne manque rien dans tous les jouets. Il faut tambourer, assembler et surtout fermer bien tous les beaux paquets. Les jeux de rôle, les consoles, les guignols, concajoles. Tout au nord du pôle. On peut faire encore plus vite que ça. Mettez-y un peu plus de nerf. Nous allons... Qu'est-ce? Au bruit, ça devait être cher. Au bruit, ça doit être Agnès Anne. Tu peux avoir l'amabilité de me dire ce que tu fabriques. J'essaie de mettre des piles. Je suis désolée, patron, pardon. Règle numéro un des petits lutins. Les piles ne sont pas comprises, monsieur. Essaie de t'enfoncer ça dans le crâne. On crache et on brosse. Le patron doit pouvoir se voir dans ses sabots pour se raser. C'est pas vrai. On a encore dormi la porte ouverte. Je suis désolé, mais ça sent l'écurie ici. C'est une écurie. Oh, toi aussi, tu es enrhumé. Non. Oh non, tu n'as pas l'air en forme non plus. Tu as le nez tellement rouge, on dirait qu'il va exploser. Oh, oh non. Oui, oui. Parfait, excellent, excellent. Gardez bien le rythme, excellent, excellent. Je vais le réparer. Excusez-moi, monsieur, pardon. Tu remets tout dans la boîte et tu écris « Nécessite un petit assemblage ». C'est pour ça qu'il est le grand chef. Excusez-moi, patron. Attention, attention. J'espère que c'est important, numéro 2. Oh, oui, patron, mais enfin, ça dépend pour qui. Quoi? Oh, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est à cause des reines. Il y a problème. Ils ont la grippe. Oh, je suis vraiment désolé, patron. Ne me dis pas qu'ils ont la grippe du pôle Nord. D'accord. Je ne vous le dis pas, mais quand même un petit peu. Oh non, non, il n'en est pas question, pas quand je suis de garde. Mais c'est incroyable, patron, c'est exactement ce que j'allais dire. Regarde-moi ce museau, monsieur. C'est un problème. Mais pas de panique, j'ai connu des situations plus dramatiques. Mais comment je m'en suis sorti? Qu'est-ce que j'ai donc de plus que les autres? Je suis capable de vaincre l'adversité. Etchou. Oh, on fait quoi maintenant, patron? Il faut trouver des remplaçants, c'est aussi simple que ça. Ce ne sont pas les seules reines volantes au monde. Mais où ça? Et quand ça? On n'a pas le temps. Ça, je m'en charge, toi tu t'occupes des jouets. J'ai besoin d'assistants, une douzaine, peut-être deux. Ce sont de bons éléments, lesquels je peux prendre? On est déjà très en retard sur nos prévisions. Tous les services ont engagé du personnel intérimaire. On a besoin de tout le monde, patron. Enfin, de tout le monde, sauf-t-elle? Agnès Anne, tu vas changer de mission. Ah oui?
je ferai quoi? Tu m'aides à engager d'autres reines. Allez, viens avec moi. Hé, Chasse-Neige, cette balade me donne mal au cœur. Oh, je me sens pas bien. Tout ça, c'est nouveau pour vous. Mais vous vous y habituerez. C'est juste une question de temps. Je m'appelle MacGregor. Chasse-Neige, lui, c'est Tank. Enchanté de vous connaître. Et lui, c'est Chicha, la petite, c'est Cutie. Le boxeur, c'est Chester, et lui, c'est Fetch. MacGregor, tu sais où on va? Lui, son nom, c'est son nom. On va où, MacGregor? On va où? On rentre chez nous, dit MacGregor? Est-ce qu'on rentre chez nous? Oui, bien sûr, bien sûr. Il aime croire que c'est vrai, alors je préfère jouer le jeu. Mais attention, ça va pas, la tête! Mais qu'est-ce qui se passe dehors? Pierre prépare le matériel pour le spectacle. Et ce soir, il présente un nouveau numéro. Le saut de la mort flamboyant. Ça alors, ça doit être génial. On va regarder ça, Chasse-Neige. Je veux voir le saut de la mort flamboyant. Ça, tu le verras. Aucun chien ne le fait plus d'une fois. C'est toujours un nouveau qui fait le saut de la mort flamboyant. Donc, c'est forcément... Eh ben, l'un de vous deux. On va bientôt arrêter de faire ce travail minable, Franky. Tu vas voir. Je te jure que ça va faire mal. Créneau d'un tambourin. Je vais aller à Las Vegas faire concurrence à ceux qui ont dompté les tigres blancs. Où est-il? Où est-il? Amenez-le moi, je vais lui balancer une droite. Alors, on va les trouver où, ces reines qui volent, patron? C'est tout à fait simple, ma petite Agnès. Il suffit simplement de... on peut tout bêtement commencer par ici. Bonjour, monsieur. Vous m'entendez? Bonjour. Vous ne voyez pas que je suis... qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un? Ben oui, je suis là. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez, les enfants? Pardon? Ils me traitent d'enfant? Bon, écoutez, mon brave, nous aimerions savoir où nous pouvons trouver des reines qui volent. Tu n'as qu'à essayer au pôle Nord, mon petit gars. Ils sont tous malades. Tu veux dire que le Père Noël n'a pas de reine pour tirer son traîneau cette année? Exactement. Est-ce que tu te paies ma tête, Junior? J'en ai vraiment pas envie. Mais alors comment il va faire pour apporter les jouets aux enfants? Eh bien, il pourra pas, sauf si on arrive à trouver d'autres reines. Regarde donc dans l'annuaire téléphonique. Oui, 9 reines, s'il vous plaît. Vous en avez? 8 seulement. Ah, je peux faire avec 8. Hein. Ah, ils veulent, bien sûr. Non. Allô? 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 Comment on peut trouver quoi que ce soit dans un endroit aussi grand? Comment? Eh bien, je vais te l'expliquer. Il suffit simplement de persévérer. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Si t'as un boulot et que tu te sens très fatigué, pas la peine de bouder. Ça veut dire que tu veux laisser tomber. Respire un bon coup. Tu vas y arriver. Tu dois tout simplement persévérer. Persévérer? Oui, persévérer. La moindre difficulté, non, ne doit jamais t'arrêter. Qu'elle vienne de droite ou de gauche et d'où qu'elle puisse bien arriver. Non, ne dis pas j'y arrive pas, car toi tu peux y arriver. Car il te faudra persévérer. Persévérer? Persévérer. Avec moi. Persévérer. Persévérer. Ne laisse pas tomber, il faut y arriver. Persévérer. Persévérer. Ne laisse pas tomber, il faut y arriver. Tu travailles le matin, même jusqu'à la nuit. Fais-le avec entrain, tant qu'il n'est pas fini. Faut y aller tête baissée, relève un peu tes manches. Il faut bien travailler, pour qu'il y ait un dimanche. Faut persévérer. Persévérer? Persévérer. Ne laisse pas tomber, non, n'abandonne pas, tu vas bien t'en sortir, tu y arriveras. Ne laisse pas tomber, ne laisse pas tomber, il faut y arriver. N'abandonne pas, ne laisse pas tomber, il faut y arriver. Tu vas bien t'en sortir, ne laisse pas tomber, il faut y arriver. Tu y arriveras. Ne laisse pas tomber, il faut y arriver. Persévérer. Persévérer. Alors, qu'est-ce qu'on a jusqu'à maintenant? Alors, une seconde. On a 7 poissons, 2 cochons, un poulet et une perdrix sur un poirier. Et on n'a pas un seul renne? Je ne vais pas abandonner le gros barbu.
Ouais, je sais ce qu'ils disent dans mon dos. Ils disent que je devrais prendre ma retraite. Ils disent que le vieux devrait raccrocher son bonnet et tirer sa révérence. Mais je vais leur montrer. Je suis encore vigoureux et je vais le prouver. Hop, aïe, aïe. Ah ben, mes lunettes. Ah ben, je vois plus rien. Non, je vois plus rien. Mais je les ramasse. Hop. C'était quoi ce bruit? Dis-moi que c'était pas mes lunettes. Oh, flûte alors. Mesdames et messieurs, petits et grands enfants, soyez les bienvenus au cirque itinérant de Pierre Laronde. Ce soir, le numéro le plus dangereux de toute l'histoire, l'invraisemblable, l'ahurissant saut de la mort flamboyant. Eh, à vous de jouer, les copains. Je ne ferai pas ce saut de la mort, flamboyant ou non. Eh, monsieur Pierre sait se montrer persuasif quand il veut. Alors, quel est l'heureux gros nul qui va porter ce déguisement ridicule ce soir, hein? Hé, hey, tu as intérêt à disparaître vite fait. Toi, c'est ton tour. Oh, fais attention, hein, pas de bêtises. Pierre Laronde, le plus grand présentateur du monde, du moins c'est lui qui le dit, n'aimait pas trop les chiens. Et maintenant, le flamboyant saut de la mort. Bon ben allez, saute. J'ai dit saute! J'ai dit saute et ça veut dire saute! Gare aux oreilles! Non, non, non! Mais qu'est-ce qu'il me donne là? Regarde ce que tu as fait, tu cherches à me ruiner ou quoi? Ah! Ça, c'est ce qu'on appelle casser la baraque. Mesdames et messieurs, petits et grands enfants, ne partez pas, il y a encore beaucoup à voir! Qu'est-ce que c'est que ça? Pierre, t'arrives à lire, toi, Agnès-Anne? Oh, j'y arriverais si je pouvais, mais je sais pas lire. Oh, mademoiselle, madame, qu'est-ce qu'il y a d'écrit, s'il vous plaît? Il y a écrit ronde. Eh ben, pour lire, vous êtes une reine. Ronde, ronde, mais non, ronde, mais non, reine, oui, merci de votre aide, ma reine. Oh, je vous en prie. Combien il y a de reines? Je ne sais pas, 8 ou... Parfait! Mais je ne sais pas si ce sont vraiment des... Mais bien sûr que si, enfin je crois, hein. Ils sont petits, mais bon, les couleurs sont plutôt bizarres aussi, mais ils sont bien des reines, hein. Oh, bah si le patron dit que ce sont des reines, ce sont forcément des reines. Allez, vite en haut, le Père Noël va faire sa tournée. Bonjour, il y a quelqu'un... Ah ben y a personne, on a une urgence dramatique. On va laisser un mot, on va dire qu'on emprunte les rênes. Le propriétaire comprendra. Le Père Noël saura le récompenser. Mais dépêche-toi, il faut qu'on trouve des gogos, ou comme certains les appellent, des clients. Ah, m'énerve pas s'il te plaît, hein, on a du travail. Mais c'est mon camion! Arrêtez-le! Au voleur! Eh, on rentre chez nous maintenant, MacGregor, dis-le-moi. On rentre chez nous, dis. Je ne sais pas où on va pour l'instant, mon vieux. Mais en tout cas, on est en route. 80 boîtes d'os sur le mur, 80 boîtes d'os, une de moins et ça fait 79 boîtes d'os sur le mur. Bonjour, monsieur, nous emmenons vos rennes au pôle Nord pour aider le Père Noël. Merci, les elfes. Au pôle Nord? Allez, secoue-toi, il faut récupérer ces chiens. On n'a jamais fait un voyage aussi long. Allez, viens, viens, dans gauche, droite, droite. Fausse alerte, Chester. Je l'aurai. Ça peut être n'importe quoi, mais Fetch l'aura. Il retrouve tout. Tu
sais où on va en ce moment? On rentre chez nous, on rentre chez nous. Eh, pauvre vieux, il n'arrive pas à comprendre. C'est ici, chez nous. Et le camion les emmena dans un monde qu'ils ne connaissaient pas. Un endroit dont ils n'avaient jamais imaginé l'existence. Patron, vous êtes sûr que c'est la bonne direction? Mais oui, bien sûr, le pôle Nord se trouve juste après cette colline. Et je suis content d'avoir retrouvé mes lunettes de rechange. À moins que ce soit le pôle Sud qui soit derrière cette colline. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es sauvé? Tu as été abandonné? Pourquoi tu étais dans la rue? Je n'ai pas d'endroit que je peux appeler chez moi. En fait, avec Chasse-Neige, on vit dans les rues depuis... Eh bien, depuis presque toujours, je crois. Et on s'est habitué. Chasse-Neige, il a toujours réussi à nous sortir des pires catastrophes. J'avais un coin à moi dans le temps. Une grande maison, une cheminée, un grand panier avec de grands coussins rouges. Ils ont décidé de déménager, mais ils n'ont pas pu m'emmener. Je leur créais trop d'ennuis. Eh ben, c'est drôlement triste, tout ça. Je trouverai une autre maison. Un de ces jours, on trouvera tous une maison. Quand quelqu'un t'aime, c'est tellement bon. Ça nous réchauffe, même s'il fait froid. L'amour, c'est doux, comme du coton. Quand tu es près de moi, toi qui fais tant battre mon cœur, comme s'il allait éclater. Oh, je ne savais pas qu'un rêve ferait ça. Quand quelqu'un faut vite en profiter. Il y aura des joies et des querelles. Ce sera notre foyer. Ce quelqu'un qui t'aime. Pas soudé. Des chips trempés dans du sel et du vinaigre. Pour moi, 4. Si le Père Noël a pris la peine d'enlever les chiens, ils ont certainement bien plus de valeur que je le croyais. Je vais les récupérer, et peu importe les moyens. Allez, ya! Allez! Allez! Ya! Alors, toujours rien? Attention! Voilà quelqu'un! Les voilà, c'est le patron, c'est notre patron! On peut se sauver d'ici si on travaille en équipe. On commençait à croire que vous ne reviendriez jamais à temps, patron. Quand votre patron dit qu'il va faire quelque chose, il le fait toujours. Attention, à trois. Vous êtes prêts? Et un. Et un. Et deux. Et deux. Et trois. Et trois. On est revenu chez nous, dit. On est revenu cette fois, hein. On est chez nous.
que c'est que ça? Mais où sont passées les rennes? D'où ils sortent tous ces chiens? Eh ben, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer, patron. On jurait des chiens. Bien sûr qu'on dirait des chiens, voyons. Ce sont des chiens. Les chiens n'attrapent pas la grippe des rennes. Si j'avais ramené des rennes, ils seraient tombés malades. Alors les petits gars, vous savez bien que votre patron n'est pas si bête. Oh, je ne vois vraiment pas comment on a pu avoir des doutes, patron. Eh, c'est pas grave. Ils savent voler? Hein? Ils savent voler? Ils demandent s'ils savent voler. Ils savent? Mais bien entendu qu'ils savent voler! Est-ce que j'aurais choisi des chiens qui ne volent pas? Il faut absolument leur apprendre à voler. Allez, plus que 3000 km! On va y être en un rien de temps! Allez, accroche-toi! 1, 2, 3, 4! Allez, un peu de nerf, courage! Allez, vous pouvez y arriver! Rappelez-vous, les chiens rennes adorent la neige! Il faut positiver! C'est une bonne façon de se débarrasser des puces. Ça fait froid dans le dos. Un peu trop froid. Salut, salut à tous. Et qu'est-ce que c'est que cette chose toute moelleuse? Eh, hey, on appelle ça un matelas, Chester. Je m'en séparerai jamais. Eh, rien ne t'y oblige avec tous ces petits hommes qui nous apportent nos repas. Heureusement que je n'ai pas demandé la grande taille. C'est quand même mieux que de manger dans une poubelle. Entièrement d'accord. Allez, allez, espèce de con à rien! Mon poisson rouge serait capable de le traîner sans effort! Allez! Bien entendu, je n'ai jamais eu de poisson rouge, mais il n'a pas besoin de le savoir. Plus vite! Plus vite! Et Pierre continua, poussé par la cupidité. J'ai réussi! Oh oui, patron, vous avez réussi! Et moi, j'ai rien à voir dans tout ça, hein! Rien! Maintenant, tout était à portée de sa main. Je parle de la gloire et de la fortune, bien sûr. Plus haut, il faut aller encore plus haut. Pour les lutins, le temps s'accélérait. Et il n'y avait plus une minute à perdre. Plus d'une heure avant le départ. Il faut accélérer le chargement. Et voilà, les derniers souhaits. Agnès-Anne, passe le harnais aux rennes. Aux chiens rennes. Au même moment, il se passait quelque chose d'inquiétant. Amène-toi maintenant.
Agnès Anne alla chercher l'attelage, mais il n'y avait plus personne. Attention tout le monde, il est... Agnès Anne Plus vite, feignasse, plus vite que ça. Secoue-toi les puces, mon avenir m'attend. Direction Las Vegas, plus vite que ça. Nos problèmes allaient enfin être réglés, et voilà ce qui nous arrive. Pas de panique, les copains. Avec Chasse-Neige, on n'a jamais été confronté à des situations difficiles sans arriver à s'en sortir. Bien sûr, vieux, bien sûr. Eh, hey, dis donc, MacGregor, on va où maintenant? Ouais, ben on rentre chez nous, dis. Eh, hey, on rentre chez nous. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Qu'est-ce que j'ai fait? Ou que je n'ai pas fait? Je les ai fait trop travailler. J'ai peut-être une idée, patron. Si on apprenait à voler à des morses, ça peut marcher. Ou pourquoi pas à des ours polaires ou à des pingouins? Qu'est-ce que vous en dites? Agnès-Anne, c'est pas la peine. Si le Père Noël ne décolle pas dans 30 minutes, il arrivera jamais à temps. Je peux pas attendre plus longtemps. Il faut que je lui dise, je vais lui apprendre la nouvelle. Il n'y aura pas de Noël cette année. Ce furent les heures les plus sombres que les lutins aient connues. Mais quelque chose attira l'œil d'Agnès Anne. Quelque chose dans la neige. Hé, hey, qu'est-ce que c'est que ça? Ce ne sont pas les bottes du Père Noël. Il a grand pied, mais pas à ce point-là quand même. Oh, des empreintes de chiens. Non! Les chiens ont été enlevés. Les petits chiens! Bon, venez ici, les petits chiens! Venez ici, les petits chiens! Il faut que je me rappelle ce que dit toujours le patron. Il faut que je persévère. Il faut que je les retrouve à n'importe quel prix. Oh, j'ai l'impression que le prix va être très élevé. Ah, tu vas faire
faire un effort, petit feignant. Pourquoi tu crois que je te paye? Tu m'as jamais payé quoi que ce soit, espèce de tyran cruel et injuste. Oh. Eh, vivement qu'on soit rentré chez nous. Eh oui, mon petit vieux. On est tous comme toi. Ah non, je ne marche pas dans cette comédie. Hey. Allez, il ne reste plus que 30 km et on est arrivé. Yeah! Oh, oh. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? On recherche des chiens neufs ou d'occasion pour travailler dans les mines. On paiera beaucoup de dollars. Ça, c'est le genre d'annonce que j'aime bien. Pierre Laronde rêvait de gloire et de fortune. Enferme les chiens et t'as pas intérêt à ce qu'ils sauvent. Mais c'est la fortune qui l'intéressait. La gloire pouvait attendre. C'est quoi ça? C'est chez nous, dis. C'est chez nous. Je ne sais pas ce que c'est, mon petit vieux. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça ne me plaît pas trop. Oui, manifestement, il se passe sûrement rien de bon par ici. Tu crois qu'il va nous donner à manger bientôt? À mon avis, il ne faut pas attendre quoi que ce soit de sa part. Arrêtez de pleurnicher là-dedans. Aubergiste, apporte-moi du gruau ou ce qui y ressemble le plus. Vous ne chercheriez pas à vendre un attelage de chien par hasard? Peut-être. Vous cherchez à en acheter? Peut-être. Je m'appelle Minus. Je paie une belle somme pour de bons chiens. Ne me dites pas ça. Si, je vous le dis. J'en ai besoin pour travailler dans les mines. J'exploite du minerai de fer. Alors, vous en avez? Pour être précis, j'en ai 8. Alors, 8 fois une belle somme, j'ajoute 3, moins les impôts, plus 7. Qu'est-ce que vous diriez de rendre cette transaction très intéressante? Je ne vois pas comment ça peut être plus intéressant. Je propose de faire un petit jeu en même temps. Allez, on mise. Quitte au double. De par nature, je ne suis pas très joueur. Mais les temps étant ce qu'ils sont, je suppose qu'un petit pari ne peut pas faire de mal. Qu'est-ce qu'il fabrique, le gros balourd? Je vais finir par être congelé si ça continue. Oh. J'ai jamais eu aussi froid de ma vie. Oh, j'ai toujours adoré ce temps-là, moi. Tu l'adores peut-être, mais moi je gèle. Oh, tu n'as qu'à te mettre près de moi. Je vais te protéger du vent. Clac-clac de ma dent. Moi, je ne claque pas des dents parce que je suis bloqué. On n'a pas ce genre de temps là d'où je viens. Et comment tu tiens le coup, toi, Fitch? Moi? Je n'ai qu'une chose à dire. C'est... Vous allez arrêter de pleurnicher comme ça, mais où il allait traîner, l'autre espèce de gorille? Vous savez jouer, je suppose? J'ai appris à jouer avant même de savoir marcher. Parfait, le premier dans le mille, mon argent contre vos 8 chiens. Hein? Allez. C'était juste un petit échauffement, c'est tout. Que diriez-vous d'augmenter les enjeux? Juste un petit peu, en supposant que vous ayez autre chose à offrir. Moi? Je peux ajouter le traîneau. Quoi d'autre? Le petit bâtard débile, je parie qu'il se fera un plaisir de travailler dans la mine. Ça fait donc 9 chiens, mais c'est tout ce que j'ai.
Quoi? Le petit bâtard débile? Non mais est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il dit et de ce qu'il fait? Parfait. À vous. Mais c'est pas possible, c'est truqué. Je parie que vous êtes un escroc. Votre lacet est défait. Hein? En plein dans le mille. Vous avez perdu. Hein? Ne soyez pas triste, mon grand, vos chiens vont être très heureux de travailler dans les mines. C'est pas tellement les chiens, c'est le traîneau qui va me manquer. Il n'est pas question que j'aille travailler dans une mine. Je vais les ramener, vite! Oh, oh, là, oh, oh, flûte alors! Rien de cassé. Tout ce que j'ai à faire, c'est me lever et sortir d'ici. Il n'y en a que 8 ici. Vous essayez de me voler ou quoi? Attendez, il y en avait 9 tout à l'heure. Il y en a un autre quelque part. Mais oui, un petit chien galeux. S'il croit que moi, le meilleur de tous les chiens, je vais travailler une minute dans une mine, ça prouve qu'il ne m'a jamais bien regardé. Je m'en vais. Secours! Heureusement que je suis pas à sa place. Comment te remercier? Tu habites par ici? Tu habites bien quelque part? Non? Alors tu peux venir vivre avec moi. Dès que j'aurai trouvé ce que je suis venue chercher, d'accord? Il y a d'autres chiens qui sont perdus. Tu les as peut-être vus. Ils sont 8. Tu sais où ils sont en ce moment, Spari? Tu veux m'emmener auprès d'eux? Oh, s'il te plaît, il faut absolument que je les trouve. Le Père Noël a besoin d'eux et de moi. Et si je ne les ramène pas, il n'y aura pas de Noël pour les gens cette année. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu es sûr que tu ne peux pas m'aider? Il va y avoir beaucoup d'enfants qui vont être tristes à Noël cette année. Petit chien, petit chien. Je sens que je vais me détester demain matin. Oh, tu vas me montrer, hein? Pour nous résumer, il faut dire que, enfin, plus ou moins, enfin, ce que j'essaie de dire en d'autres termes, en fait, à vrai dire... Je suis terriblement occupé. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je vous ai déjà dit que le rouge vous allait très bien? Merci, c'est gentil. En fait, la vérité, c'est que les rennes, ils sont tombés malades et on a entraîné des chiens, mais ils ont disparu et le Noël est raté. Ça s'est pas mal passé. C'est juré, hein, je sais pas où est passé le petit bâtard. Je le jure sur la machette de ma mère. D'accord, je vais prendre les 8. Où est la clé? Je n'ai pas toute la nuit. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Je fais aussi vite que je peux. Tiens, en voilà une surprise. Mais c'est lui, c'est le petit bâtard. Sauf qui peut. Mes chiens, mes chiens. Il ne restait plus qu'une chose entre les chiens et la liberté. Assis, couchez. À quoi on joue là? Vous ne pouvez pas vous attaquer à moi, après tout ce que j'ai fait pour vous. Je vais lui montrer. Ça va, ça suffit là, ça. Au secours! Au secours!
Salut patron, n'oubliez pas de m'envoyer une carte postale. Maintenant, ils étaient 9. Allez, allez, venez, il faut sauver la fête de Noël. Bon, c'est vraiment injuste, hein. On travaille toute sa vie, on se consacre pleinement à son boulot, 24 heures sur 24, et on en arrive là. Une longue carrière fabuleuse. Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Plus rien. Le désert, zéro, le néant total, le trou noir. Ah, enfin, n'arrivons pas. Oh, ça a été agréable, j'ai passé de grands moments. Mais l'heure a sonné. Il faut raccrocher ton vieux bonnet. Alors, est-ce que tout est prêt? Ah ben, en fait, Père Noël, il faut être lucide, hein. On se défonce comme une bête, 24 heures sur 24, et à l'arrivée, qu'est-ce qui reste? Bon, allez, allez. Il est prêt, ce traîneau. Et justement, à vrai dire, pour ne rien vous cacher... Ah ben oui, bien sûr. Pas de problème, qu'est-ce que vous avez cru que je serais pas à la hauteur? Deux petites minutes et tout sera prêt. Mais je sais pas comment t'as fait, mais t'as réussi. Oh, je t'adore. Il faut simplement persévérer. Les 9 chiens errants paraissaient plus costauds, plus déterminés et fiers d'eux que jamais. La chance avait enfin tourné. Et je pensais pas qu'on y arriverait, mais pour l'instant, hein, tout se passe comme sur des roulettes. Voilà, Père Noël, tout est prêt. Oh, mais où sont mes reines? Ce sont des... Des quoi? Des quoi? Qu'est-ce qu'ils font là, ces chiens? Je vous expliquerai plus tard. Et maintenant, la petite touche finale. Le patron des lutins les saupoudra de la magie de Noël. Et voilà. Et rien ne se passa. Parfois, avec certains chiens, c'est vrai, il en faut un peu plus. Hé, hey, Chasse-Neige, qu'est-ce qui nous arrive? Allez, Dasher, allez! Ah non, c'est pas la peine. Ah non, ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce que je dois dire? Vous devriez essayer Mush. Un chien peut faire des tas de choses, mais il n'est pas dans sa nature de voler. Un chien préfère avoir ses quatre pattes fermement plantées sur le sol. Mush, Mush! C'est fini? Pas encore. Mèche! On a réussi! Ça y est, on vole! Hey, j'avoue que j'ai du mal à en croire mes yeux. Mèche! Oh, ils sont dans l'air! Oh, ils redescendent! Oh, ils remontent! Oh, ils redescendent! Pitié! Oh, ils descendent! Ouais, ça y est, on a gagné! Ils avaient effectivement réussi. Après tous leurs essais, toutes leurs épreuves, ils avaient fini par réussir. Oui! J'ai toujours dit que le patron s'en sortirait. C'est bien pour ça que c'est le patron. Et un hourra pour notre patron. Hip hip hip! Hourra! Hip hip hip! Hourra! J'aurais jamais réussi sans l'aide de notre ami. Hip hip hip! Hourra! Agnès! Les 9 chiens s'étaient envolés et traversaient la nuit. Les affaires reprenaient pour le Père Noël. Glisse, glisse, beau traîneau. Quelle jolie course, ho, ho, ho. Il y a tant de cheminées. Vous êtes en l'air et vous volez. Avec un peu de chance, vont pousser. Est-ce des ouest de New York?
l'Égypte à la Tour Eiffel. En cette veille de Noël, 9 chiens ont volé pour la première et unique fois de leur vie. 9 chiens qui ont permis de fêter Noël. Hé, hey, oh, hé, hey, hey, mais attention! Et qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait de mal, moi! Hey, hop. Je suis innocent, je le jure, j'ai été berné! Hé, hey, sympa! Il y a même mon nom! Ah, oh, c'est formidable! Ils sauront comment je m'appelle! Allez, viens avec moi, mon petit ami. Alors ça, c'est la vraie vie. Salut les copains. Ah, on est chez nous. Père Noël, merci pour tout. De rien. Hé, je vais où maintenant? Ouais, je vais où, dites-moi? Hein? Où? Où tu veux aller, mon pauvre petit vieux? Tu vas à la maison, enfin. Merci encore, chasse-neige. Je n'ai pas fait grand-chose. Eh, on serait toujours obligé de danser pour avoir un os si tu n'avais pas été là. Qu'est-ce que tu as, mon grand? Tu t'inquiètes pour tes petits copains, mais rassure-toi, ils vont tous avoir une jolie maison. Ça, j'en suis certain, parce que c'est moi qui ai dressé la liste. Et je l'ai vérifié deux fois. Allez, viens avec moi. Et voilà. Chaque chien avait trouvé une maison. Et celui qu'on appelait Chasse-Neige découvrait que c'était bien la vie à laquelle ils rêvaient tous. Ils sont pires que des puces. Maman, c'est un vrai! Joyeux Noël, ma chérie. Père Noël, vous avez un problème de traîneau? Oh non! J'ai le temps d'arranger ça d'ici l'année prochaine. Joyeux Noël à tous! Et je vous souhaite surtout une bonne nuit. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Et c'est ainsi que s'achève notre histoire. Tous nos amis ont connu le plus beau des Noëls. Le Noël des 9 chiens. Si t'as un boulot et que tu te sens très fatigué, pas la peine de bouder, ça veut dire que tu veux laisser tomber. Respire un bon coup, tu vas y arriver. Tu dois tout simplement persévérer. Persévérer? Oui, persévérer. La moindre difficulté, non, ne doit jamais t'arrêter. Qu'elle vienne de droite ou de gauche et d'où qu'elle puisse bien arriver. Non, ne dis pas j'y arrive pas, car toi tu peux y arriver. Car il te faudra persévérer. Persévérer? Persévérer. Avec moi. Persévérer. Persévérer. Ne laisse pas tomber, il faut y arriver. Persévérer. Persévérer. Ne laisse pas tomber, il faut y arriver. Tu travailles le matin, même jusqu'à la nuit. Fais-le avec ton train, pour qu'il n'ait pas fini. Faut y aller tête baissée, relève un peu tes manches. Il faut bien travailler, pour qu'il y ait un dimanche. Faut persévérer. 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 Ne laisse pas tomber.
t'abandonne pas. Tu vas bien t'en sortir. Tu y arriveras. Ne laisse pas tomber. Ne laisse pas tomber. Il faut y arriver. N'abandonne pas. Ne laisse pas tomber. Il faut y arriver. Tu vas bien t'en sortir. Ne laisse pas tomber. Il faut y arriver. Tu y arriveras. Ne laisse pas tomber. Il faut y arriver. Persévérer. Persévérer. Avec un peu de chance, vous y serez en à côté.